Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer World Food Company of Heroes Stars of Valor. Qui rajoute 3 campagnes de 3 missions chacune. Et je vais vous dire tout de suite, ces 3 campagnes réunies auront une durée inférieure à une seule campagne. Que ce soit celle de Libération de Gand, d'Opération Marque de Garde, de Bataille de Normandie, ça sera beaucoup plus court qu'une campagne entière de Posing Front ou de Company of Heroes 1. Et cette fois-ci, nous attaquer au Tigre de l'As, sa toute première campagne. Donc, une légende est née. Le commandant Haussmann Maximilian Voss et l'artilleur Wesebel Joseph Schulz attaquent par surprise un combat britannique des célèbres rats du désert. Et je vais laisser la cinématique. Excusez-moi pour ces grands, c'est un petit bug. Donc voilà, nous avons commandé un tigre de l'as. Donc nous contrôlerons durant cette campagne un tigre, plutôt plus précisément l'équipage d'un tigre. Et je vais vous montrer ce que vous durant cette première mission Tales of Valor. Et je vous dirai directement est-ce que c'est utile ou pas. Parce que honnêtement, je vais le dire directement dans le temps de chargement, je vous déconseille d'acheter Tales of Valor. Et je reviendrai vraiment là-dessus, j'expliquerai vraiment toutes les raisons pourquoi. Bien évidemment, à la fin de ce walkthrough. Mais bon, avant tout, profitez bien de ces vidéos. Leningrad, Russie. L'aube était rouge. Le jour où notre tigre est arrivé sur le front pour la toute première fois. D'après le premier Schwerepanzer Abteilung 503, VT-34 aborde notre secteur. Confirmé. Chargez les obus perforants. Coupez le moteur. Transfert hydraulique de 600 chevaux vers Touraine. Cible verrouillée. Feu à volonté. Et voilà. Viens voir papa. C'est bon. Tirez. Merde, appelez le QG. 2 victimes en plus pour le action tracer. La foule, je détecte un pack à 1 km. À l'attaque. Rotation tourelle, en charge. Obus chargé. C'est là, sur le front oriental, qu'on a pu se faire un nom. Au printemps 44, on a été redéployé sur le front occidental. En France. J'ai ordonné de partir aux premières lueurs pour que ma compagnie Panzer prenne la direction du point 213. Le Eisenfresser se déplaçait lentement. Des problèmes mécaniques. Un moteur tout neuf et il se traîne. Maintenez la tourelle en marche. Super. Une tourelle pour les cibles hors de portée. Des panzers britanniques! Confirmé! Fleischbereit! Prêt au combat! Pardon, tu gardes pas! Ça va, moteur à 400 chevaux! Encore! Schmel! Arnaud! Fouille à l'envue! C'est bon! Attaque sur le Kampfwagen Cannon! Bon. Nous pouvons ici contrôler directement le canon du char. Préparez-vous à y aller. Silence radio maintenu en main gauche. Un peu du genre à la compagnie of pas compagnie Furieux, Man of War. C'est un peu le but.
chauffer. Je vais pas vous mentir, laissez votre char faire. Et toutes les compétences que vous débloquerez, améliorera votre char. Je le laisse à l'arrêt. Allez. Dans le mille. Je fais ce que je peux, chef. Donc, nous pouvons améliorer le chargeur, on recharge plus vite. La radio, ça donne tout j'ai amélioré. Qu'est-ce que c'était? Qu'arrive-t-il au tigre? Le moteur a morflé. Laissez-moi un moment. Ce char doit avancer. On ne peut pas se permettre une panne maintenant. Oui, Herr Hauptmann. Schultz, tirez sur tous les véhicules qui descendent la route. Ils ne doivent pas passer. Section d'infanterie pulvérisée. Schultz, éliminez la cible. Le tourelle tourne vite par contre. Chargez, chargez. Oui, chef. Infanterie en approche. Le QG renoue le contact. Il est éliminé. Il n'écoutera personne d'autre. Voilà, on va prendre cette compétence là. Boîte de vitesse, ok. Prêt. Je démarre le moteur. Des postes de combat. Préparez-vous au contact. Le moteur fait 450 chevaux sur le moteur. Contact. On charge. Pour la patrie, les gars. Hachez les rosbifs. Feu volonté. Chargez. Chargez. Par contre, c'est très jouissif, faut dire ce qui est. Que votre but là dans cette mission c'est quand même de tout détruire. Oui, chef, compris. On a plus de carburant ou quoi? Mais il faut avoir quand même le plus XP possible. Visez l'infanterie. L'infanterie en approche. Ouvrez bien l'œil, il y a d'autres cibles. Démarrez. Allez à fond. Excellent, les gars. Le QG va être content. Ces crétins agissent comme s'ils avaient déjà gagné. Ils se trompent. Bern, silence radio, sur la mitrailleuse de caisse. Litzke, prêt à charger les obus demandés. Schultz, visez et éliminez tous les blindés. On n'a pas le droit à l'erreur. Frappez dur et nettoyez le village de tous les blindés. Ouais, vous avez compris notre objectif. Achevez-moi tous ces enfoirés. On a détruit tous les blindés. Préparez le canon. En avant toutes. Allez, on dégage. Faut savoir que dans la réalité, dans le jeu, le tigre n'est pas aussi puissant que ça. Hein. C'est vraiment que pour cette campagne qu'il est aussi puissant. C'est vrai qu'avoir un moteur, un meilleur moteur, c'est quand même utile. Le tigre part. Parcourons le village. Hein. Et ils ont déjà tout de suite tenté de faire comme la mission secondaire. Hein, le Panzer tourne à qui est de détruire de mémoire l'artillerie. On y va. Oui, chef. Allez. Par contre, si le moteur voudrait bien aller un peu plus vite. Tiens, la boute de char doit avancer. On ne peut pas se permettre une panne maintenant. Écrasez tous les véhicules civils et je vous donne 10 marques. Chargez le canon de détonance. Plus vite. Le Panzer tourne à 400 chevaux. Message reçu. Obus détonants. Visez la structure. Chargez les obus perforants. Schultz, éliminez la cible. Contact. Les canons anti-char. Éliminez-les. Les soldats sont pas une menace. Je voulais vous montrer ce que j'avais dans un bâtiment. Un obus détonant. Tirez, plus vous tirez vite, mieux c'est. Détonnant prêt. Des obus. Quelqu'un d'autre a envie de détruire ces véhicules civils? Voilà. S'amuser, Tiger Copper. On verra plus tard pour les véhicules, on va déjà chercher déjà. 400 chevaux.
Recherche le cible. Les canons ennemis. L'avantage en mettant Haussmann en hauteur, c'est que vous gagnez du champ de vision. Oui, chef. On y va. Non négligeable. Un char, préparez-vous à l'attaque sur le camp de la canon. Mince, un obus détonant. Un obus perforant. Pas grave. Et là-dedans, en fait, le but c'est vraiment de faire le plus d'XP. Ce char doit avancer. On ne peut pas se permettre une panne maintenant. C'est vraiment d'améliorer en fait un peu tout. Hein. C'est vraiment d'avoir le plus vite le plus XP pour que votre char soit plus vite le plus efficace. Le problème c'est qu'une fois qu'il est à fond, on n'en profite pas longtemps. Donc ça c'est vraiment dommage. Bon, j'aime bien qu'il aille un peu plus vite, mais bon. Le plus important pour l'instant c'est pas le. La vitesse, c'est la puissance de feu. C'est en premier, il faut augmenter le chargeur et l'artilleur. Préparez-vous à y aller. Descendez-moi, sponsor. Canon sur cible. Feu. Parce que vous aurez votre cadence de tir en fait maximale. Vous pouvez mettre dès que possible aussi un point A, mais moi je trouve la radio c'est pas le plus utile. Après. La puissance moteur très importante. Confirmation moteur. Parce que plus vous allez vite, mieux c'est. Je pense que tout le monde le comprend. On avance plus vite. Ah voilà, deuxième canon anti-char. Conduisez-nous là-bas. Par contre, qu'ils attaquent automatiquement, c'est génial. Feu. Bien, moteur à fond. Ouvrez bien les yeux. On y va. Voilà d'autres blindés Rosbif. Faites gaffe. Le QG a de nouvelles instructions. Route. Bordel, voilà des Rosbifs avec des armes anti-chars. On avance, plus vite. Préparez-vous à y aller. C'est bon. Vous y allez. Le moteur fait 450 chevaux. Préparez le canon, on y va. Butez-les. Voilà. J'ai cru voir un. Ah, faut pas que j'étrouve encore tout le monde tout de suite, sinon l'objectif va être un échec. Voilà. Préparez les détonants et le canon. Ah, ah, fourra Rosbif, préparez les perforants. Chargez, chargez. Arnaud, rapprochez-vous un peu. Dans le mille. Chargez, chargez. Des obus perforants, on dégage. Les tirs nourris, à droite. Voilà. Canon chargé. Sur les tirs, préparez les tirs, je vais les panzer ennemis. En route. Allez, allez. Sérieux, vous avez pas vu les panzer. Roulez. Descendez-moi, sponsor. Bon. On a plus de transfert hydraulique, mon capitaine. Des tirs nourris à droite. On dégage. Voilà. Tir rapide, prenez bien les yeux. On y va. Nous avons un cadence de tir maximum. Par contre, je sais plus où est le dernier canon t-shirt. Préparez le canon, on bouge. Le panzer tourne à 400. Repérez, préparez les munitions. Arnaud, on bouge. Démarrez, on bouge. Charge, Rosbif, Arnaud, faut y aller. Et boum! On a plus de carburant! Oh! Allez! Le Rosbif déclenché! Moteur arrêté! Personnel! Et où est le dernier canon du char? Et là en fait j'ai un trou de mémoire surtout. Le moteur fait 400 chevaux! On a beau se préparer avant quand on a trop de mémoire. Les troupes anti-chars approchent, sortez les obus détonnants! Arnaud, on y va! Un char! Le tir est sur l'attaque, il est envoyé! Descendez-moi, sponsor! Est-ce que je peux recharger un détonant? On y va! Non, je peux pas. Chargez! Chargez!
Par contre, faut vraiment que je trouve le dernier canon anti-char. Arnaud, emmenez-nous là-bas. Oui, chef. Quand on perd... Là, je suis navré de le dire, mais on perd beaucoup de temps parce que je sais plus où est le dernier. J'ai pas envie d'être sur toutes les unités, sinon on nous aurons pas la médaille. Et le but, c'est quand même d'avoir toutes les médailles. C'est bon. Préparez-vous à y aller. Des tirs nourris à l'arrière. Ouais, je vais prendre la vitesse 1, ça permettra d'aller plus vite. Mettons un point de dedans. On avance, plus vite. En ouais. Chemin. A droite, on a éliminé les deux gars. Le troisième, il est. Il est où on le troisième va. House Rückent. Un Spielzeug Panzer. Je vous contacte quand il est à portée. Allez, on dégage. Alors, mais où est-il? Roulez. Bon, je m'en excuse, hein, ça se voit que c'est pas si bien préparé que ça, cette vidéo. J'aurais dû noter les coordonnées, ça aurait été mieux. Ah bah voilà. Chargez le canon de détonant. Le tigre en cible. Voilà. Excellent, tous les packs ennemis sont anéantis, bravo. Je ne peux pas activer cette compétence, c'est un peu plus gênant. Chargé. Un EV perforant. Éliminez tous les panzers qui restent, tu viens à comprendre. Balancez les deux. Faites-moi avancer ce char. C'est pas en tuant de pauvres roast beef que vous gagnerez une médaille. C'est bon. Soyez prêts, dégagez le canon, on bouge. Donc voilà. Le moteur fait 450. Ça fait XP. Voilà, boum. Embrouillez les pistes avec un tir de barrage d'obus fumigène. Échappement roqué. Vous voyez à 15 de tir maintenant. Et voilà, le filtre est encrassé. Donnez-moi une minute. Schnell, schnell, vite. Prêt. Je démarre le moteur. Allez, ma chérie, fais plaisir à papa. Ouais. Sale enfoiré. Démarrez. Félicitations, Oberschütze Schreuf. Vous avez le droit de repiloter. Sur le flanc gauche, détruisez-le. Il y a quand même beaucoup de problèmes, ce moteur, hein. Embauche. Passez à 400 chevaux. C'est bon. Bon, par contre, on va vite le trouver, quand même. La vidéo commence à se faire long, c'est surtout pour ça. Arnaud. J'ai pas envie quand même d'avoir une vidéo de... d'une heure sur les bras pour si peu. En piste. Oui, Hauptmann. Eh, mais eh mais il se moque de moi. Allez, à fond. Allez. Nouvelle cible. Bien reçu. Schnell. Arnaud, rapprochez-vous un peu. Démarrez. Alors, les autres, vous avez vu déjà tout ce qu'on a allumé. On tourne à 400 chevaux. Ah, oh, je sens que c'est pas bien. Arnaud, faut y aller. Le Panzer tourne à 450 chevaux. Bon. Nous devons bientôt avoir terminé, je pense. Le moteur Panzer britannique, un Firefly. Mais moteur à 450 chevaux. Fire, fire, Firefly. Silence radio maintenu, Hauptmann Boss. Changement de cible. Voilà. Et nous allons prendre le moteur maximum. Voilà, ça on va pouvoir avancer un peu plus vite. Passez à 400 chevaux.
Ok. Nardo, emmenez-nous là-bas. Firefly en approche. Je vous contacte quand il est à portée. En route, Tiger Cooper. Un Firefly, à l'attaque, seul. Sans moi, il n'écoutera personne d'autre. Faut pas mes yeux. Oui, chef, visez le Mayfly. Je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit. Firefly supprimé. On se replie. Arlo, venez nous chercher au village. On va au point 213. Blitzke, nombre de victimes. 38 victimes. On a tout nettoyé. C'est pas tous les jours qu'on en fera autant. On a fait plus, là, je pense. Et mince, la chenille. Train de roulement cassé. Activez la tourelle. Je vois une autre cible. On charge. Allez, sortez. On se replie pas. On charge. Est-ce qu'on arrête? Chargez le canon. Attends. Écoutez tous. Prenez les munitions et les kits de secours. Envoyez la fumée. Tiger Trooper, on abandonne le char. Voilà, c'est ainsi que nous avons terminé cette première mission de la campagne du Tigre de Glace. On m'excuse encore d'avoir autant de difficultés à trouver tous les canons t-shirts qui nous ont quand même valu un signe de destruction de char. Mais nous avons arrêté le convoi et détruit les Sherman Firefly. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Donc à ciao tout le monde, et encore à toutes et à tous, merci de me suivre. Allez, à ciao tout le monde.